Cult of Dalem, seconde session de jeu. On avait 7 adeptes, du coup. J'ai pas 7 doigts, mais imaginez que j'en ai 7. Hop, j'en ai 7. Avec mon petit mouton. Oh, c'est lui que je veux. Mais je le veux en peluche. Je vais le chercher, hein, ce. Regardez là, il est tout venir. J'adore. Et on venait de... On avait testé, du coup, le jeu de cartes. C'était bien sympa. Là, je vais faire un petit tour. Je vais voir ce que je peux faire et si je peux leur faire à bouffer, mais je pense pas. Avec cette musique toujours aussi qualitative. Vous me dites si la musique est trop forte pour vous, parce que moi je gère pas le son de la même façon pour le stream et pour moi. Donc pour moi il est parfait, mais pour vous peut-être pas, n'hésitez pas à me le dire. Ah oui, voilà. Et c'est là. C'est à ça que servent les contributions que vous avez avec vos points de chaîne. Et il y a un lit cassé. Je vais le réparer et je vais redonner des bénédictions à ici à toi. Maman. Ah oui, vous avez fait. C'est quoi celle-là? Oh, c'est bien. Vénérable guide, les créatures affamées vivent dehors non loin du culte. Nous devons leur offrir le gîte. Ah, il faut que je recrute des adeptes affamés. Franchement, ça me dérange pas. Mais j'ai pas de bouffe, hein. Ah oui, d'accord. Ils sont déjà là. Merci, Morfufu. C'est bon, je peux recevoir la récompense grâce à vous. J'espère que ce sera de la bouffe, j'ai trop besoin de bouffe. J'ai reçu du Twitch. C'est quoi du Twitch? Ah, un plan. Un plan de Twitch. Un étendard Twitch. Let's go. Je pense qu'on va l'installer. Incroyable. Alors c'est très bien. Vous allez pouvoir choisir son apparence. Je vous en prie, pitié. On va faire un petit tirage au sort. Let's go. Vous voyez une pop-up qui apparaît, j'espère, normalement sur le stream. Est-ce que pour moi il apparaît? Tout à fait. C'est incroyable comme ça marche bien. Et du coup, vous pouvez participer. Vous avez juste à cliquer sur participer ou je sais quoi. Et ça va faire après un tirage au sort et ça vous donnera éventuellement la possibilité de choisir l'apparence du prochain adepte et de lui donner votre pseudo. Donc voilà. Yes, oui. Mais le problème c'est que vous me dites oui, mais j'en vois qu'un pour le moment. J'ai fait rejoindre le culte. Mais c'est bien ça. Ah oui, moi aussi je peux le faire. Mais ça marche pas. Pourquoi j'en vois qu'un? Ah, ça, c'est qu'il y a peut-être un petit décalage. Je vous laisse quelques instants. Bon, je sais que vous êtes pas beaucoup. Donc il y aura peut-être pas grand monde, mais en tout cas, n'hésitez pas. Oui, je pense à un mytho. oui, sur tel, vous pouvez pas. Effectivement. Ces applis-là, il y a souvent des petits sous. Bah, c'est pas grave, je vais faire terminer le tirage. Ça va peut-être tomber sur moi. Hein. Attention, droit. Si vous ne cliquez pas. 2, j'ai 1. Oui! C'est toi! Bravo, Bitou. Tu peux choisir son apparence. Et tu peux voilà, faire des trucs. Alors j'ai pas beaucoup d'apparences différentes pour le moment. N'hésite pas. Après peut-être un temps limité. J'en sais rien. Jamais eu à le faire. Mais je voudrais voir ce que ça fait, c'est pour ça que je participe à chaque fois. Un tirage au sort très serré. Pour deux personnes. Dont moi. Moi, un petit lapin. Et voilà. Alors, il a quoi comme qualité? Ignore les rebelles qui voudraient l'influencer. Oh, c'est quelqu'un qui est fort de caractère. Et moins 5% de fois la mort d'un adepte. Ok. Ça y est. Il va créer un cube avec un point d'interrogation. Ah, il est affamé du coup. Attendez, faut que je nourrisse. Oh, je peux rien faire.
Ah, mes adeptes meurent de faim. Ouais, je vais pas le recruter tout de suite, l'autre. Oh non, Pito va peut-être mourir. Attendez, je vais bénir. Je peux faire quelque chose là? Non, non, c'est bon. Tu fais partie du culte. Ah, ça m'embête. C'est chier. Mais ouais, mais le truc, c'est que là, en plus, t'es en train de mourir de faim. Et j'ai pas du tout de quoi nourrir mes adeptes. Là, c'est l'enfer. J'ai pas de quoi fertiliser. Je vais voir s'il y a des cacas, mais vu qu'ils sont pas à manger, ça m'étonnerait qu'il y ait des cacas. Ah, s'il y en a un là-bas. Un plat peut-être, je suis même pas sûre. Si je peux en faire un. Non non non, pas toi Kusake. Voilà, je donne à celui qui meurt de faim. Ok, bon, on va être obligé de partir en excursion pour faire de la bouffe, hein. Je les bénis tous, comme ça ils me font me donne de la foi. Alors, ah oui, j'ai débloqué un épouvantail, je l'ai pas encore fait. Très bien. De mission mine, poste de bûcheron. Moi, je veux vraiment des trucs par rapport à la bouffe, mais y a pas grand chose là. Prison. Coupe à offrande. Je vais faire ça. Ah. Poser des faux offrandes. Ah ouais, je vais faire ça, ils vont peut-être me donner des trucs. Et dedans, il y aura peut-être de la bouffe. La musique est peut-être... Les bruitages sont peut-être un chouïa trop fort. J'ai un tout petit peu baissé. Bon, le jeu, il n'est pas content. Si, ça a l'air d'aller. Ok. Je vais crafter des trucs, mais je crois que j'avais que dalle en ressources. Ah non, mais c'est la loose. On a rien du tout. Faut que je me tire. Faut que je me tire en exploration pour pouvoir... trouver des ressources, parce que là on n'a plus rien. Bon, allez, je vais en bénir encore un. Je vais faire un petit sermon, je pense. Let's go. J'étais un Tamagotchi ou quoi? Bah t'avais faim, il fallait que je te nourrisse. Oui, un peu. Hein. Ma Tamagotchi utile. C'est quoi ça? On dans une quantité maximale de ferveur. Oh oui, je prends. Ça, ça me plaît bien, ça. C'est quoi? Oublié. Ah, c'est les rituels. Ouais, ça se recharge. Ah non, bah non, non, je sais plus. On verra ça plus tard. Et doctrine. Maintenant, je peux faire une nouvelle doctrine. Non, je peux toujours pas? Ah, c'est peut-être dans couronne alors. Je sais plus trop comment ça fonctionne. C'est une doctrine en accord avec les commandements que vous prêchez. Mais je peux choisir normalement une nouvelle doctrine, il veut pas? J'en ai débloqué une? Bon, je sais pas, écoute, on va faire ça un autre jour. Si je peux pas, je veux pas. Je vais... Bah écoutez, on va être obligé de se barrer en mission. Parce que... sinon nos adeptes vont crever. Déjà que je pense qu'il y en a certains qui vont mourir là. Parce que niveau bouffe...
suicide collectif, au pire s'il n'y a pas de bouffe. Il est horrible. Finissons ça. Je t'attendrai dans mon temple, viens si tu l'oses. Je te montrerai toute l'étendue de ma puissance. Ça fait tousser de faire cette voix. C'est dans couronne, mais j'ai pas pu. Bon, tant pis, je vois ça après. Oh, c'est un niveau 4. Mais la hache aussi est niveau 4. De toute façon, je peux prendre les deux, donc en fait, je prends les deux. Là, faut que je récolte absolument tout. De l'herbe, parce que là, j'en avais même pas. Et l'herbe me permet au moins de faire des plats d'herbe. Permettent même de nourrir mes adeptes, même s'ils font la tronche parce qu'ils aiment pas ça, au moins ils mangent. Du bois. Je sais plus comment on fait le pouvoir, comme ça. Comme ça, ouais, d'accord. Oh putain, j'ai une portée limitée. Ça me donne du bois, ça? J'ai pas fait gaffe. Parce que même le bois, c'est l'enfer. Quand on meurt, on disparaît? Bah j'imagine. Comme dans... Ça, c'est une question par rapport à la vraie vie. Moi, je crois. Les bruitages sont peut-être un petit peu forts encore. N'hésitez pas à me dire. Pas mon style de jeu. Le jeu a l'air sympathique. Il y a plein de choses à faire. Oui, oui. C'est un mélange super bien fichu. Il y a plusieurs modes de difficulté. Moi, je suis en normal. Mais pour ceux qui sont amateurs de challenge, y a de quoi faire. Et ouais, comme je disais, des petites features avec Twitch, c'est très sympa d'avoir pensé à ça, quoi. Que moi, en vrai, ça m'est super utile quand vous participez au totem, surtout en ce moment. Et le fait de pouvoir choisir l'adepte et tout, c'est cool. Alors... Bah de toute façon j'ai pas de map, donc on va voir. Critique. Je sais pas si je peux en faire quelque chose des os. J'aurais peut-être des plans plus tard, mais pour le moment j'ai pas de plan avec les os. Des os, j'ai pas de plan avec les os. % de chance d'afficher des goûts critiques, c'est très très bien. Par contre... Je crois que ça va être un boss et je vais avant faire la salle qu'elle a. Parce que bah il me faut des ressources de toute façon. Ah bah c'est pour les cartes. Augmente vos chances de trouver des coffres intéressants. Ça va être ça. Encore une fois, c'est le plus important. J'espère que j'accolte aussi un peu de bouffe sur les mobs, mais pas beaucoup, hein. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça déjà, j'ai encore oublié. Il y aura un adepte. J'en ai déjà trop. Donc je vais pas faire saut. Si je vais là, là il y a un point de récolte. Ça m'intéresse. Du coup, je vais aller là. Mince, je crois qu'il y avait un bout d'herbe à tuer. Oh, qu'est-ce que c'est? Un pêcheur? Attendez, quelle voix je peux faire? Celle-là. Non. Celle-là. Hé, marmot! Arrête de me la poscaille. C'est un peu grave. C'est un petit peu moins... Comme ça. Là, comme ça. Un peu trop d'écho. Oh, je sais pas. Comme ça. Niap. Il y a passé pour nous deux, compris. Tu n'as qu'à aller au chemin de Perrin. C'est là que se trouvent les meilleurs poissons. Comment ça, quel chemin? Je vais te montrer. Oh,
Je vais avoir un spot de pêche. Putain, ça va être trop bien. Parfois, c'est d'ailleurs un peu beaucoup. Tu as vraiment pas mal d'options. C'est un poisson qui pêche un poisson. C'est fantastique. En même temps, comme dans la vraie vie. Voilà, maintenant du vent. Oui, bah je... Voilà. Oh, j'ai dit saumon. C'est du poisson. Oh oui, oui, oui. Oh, j'en ai encore trouvé. Je vais pouvoir nourrir mes adeptes. C'est bon, je peux plus rien faire. Hein. Ok. Ah, je pensais que ça en ferait plusieurs. Y'a un autre tout vénère là. L'obstination commence à m'agacer, jeune dandio. Tu es une bonne marionnette, tu crois peut-être avec ce qui est juste le servant, hein? Oh, peut-être quoi? Avec, j'ai dit. Tu crois peut-être faire ce qui est juste le servant. Mais tu devrais te méfier de l'être captif. Tant pis, le mal est fait. Tu ne mérites aucune absolution. Il est temps de mettre un terme à ta misérable vie. Déjà? J'ai perdu de la vie bêtement. Et par là. Ah, on met mon casque. Ah ouais, faut que je chope les petites bestioles sinon. Ah, si je chope les bestioles, je chope de la viande. C'est incroyable ça, je savais pas. L'araignée inflige des dégâts de poison aux ennemis que vous frappez, chance de bloquer les dégâts reçus. Oh, l'araignée. On va essayer de faire mal. Permet aux adeptes de se déplacer plus rapidement. Oh, mais c'est bien ça, un petit cadeau là. Merci. Un liqueur supplémentaire. Les combats gagnent de la nourriture pour me nourrir. Je peux en trouver en fait là-haut. On voit tout ce que j'arrive à choper. Et je peux choper des trucs qui peuvent me permettre de nourrir les adeptes. Des trucs qui me peuvent permettre d'améliorer le culte, des ressources et tout ça. Et des nouveaux plans aussi pour construire des nouveaux trucs. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à trouver dans les donjons. Et encore, je suis qu'au début du jeu, donc peut-être... d'autres choses aussi que j'ignore. Il y avait du feu, j'ai pas cassé le feu. Je retourne encore un truc juste avant puisque... Ah non, c'était un feu comme ça. Okay. Ah si ! Faut que j'ai un chopé, c'est pas grave. J'ai besoin de ressources, ça. Un éclair de feu, maintenez relâché à la marque pour créer une explosion. Plusieurs projectiles qui pourchassent l'ennemi. Je prends ça direct, c'est trop bien. Oh, je peux recycler. Attendez. Ça me fait une pièce, ok. Bon, bah le boss, hein, j'imagine. Les poissons sont nos amis, pas de la bouffe. Ah bah moi, je n'en mange pas, mais il y en a plein qui en mangent.
J'ai même pas vu des messages. C'était un requin ? Bah c'est un poisson après. Ça va petit Mogli Minda ? Info ou un tox ? Ah bah c'est le bon moment dis donc. Salut Mister Fiston ! Merci ! Merci beaucoup, c'est adorable. J'ai réussi à lire au tout début Mister Fion. C'est moi, hein. C'est vraiment, je suis désolée. Hello Beric. Oui, c'est pas Berlic, non, c'est Beric. Merci beaucoup, bienvenue à vous. Que faisiez-vous donc? Vous étiez aussi sur Cultable de l'AM. Bon, de toute façon, je peux pas aller dans mille endroits différents, hein. Non. Non, non, non. Et ben, on y va. Et puis, c'est tout. On est pas loin. Ouais, vraiment. Voilà, désolé. Merci beaucoup, bienvenue. Tiens, fils pour ce soir. Ah, d'accord. C'est très gentil, alors. D'autant plus gentil quand on n'est même pas sur le même jeu. Merci beaucoup. Je peux pas couper tout ça. Laissez-moi couper tout ça et avoir des herbes ou je ne sais quoi. Laissez-moi casser cette baraque. Et bienvenue à tous. Merci. Merci vraiment. Il dit quoi Cartman dans l'alerte, toi? Il dit bienvenue. Ah non, encore. Je vais déjà faire ça. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci Mister Fiston. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Je veux aussi faire la même. Hop. Prends le chat, sinon c'est chiant. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci beaucoup. Du coup, j'ai pas vu. Merci Beric. Merci, bienvenue. C'est très gentil. Tac. Petit follow. De ce pas. Allez! C'est bon, ça a suivi? Oui, c'est bon. Merci, merci! Et je vois plus le chat parce que j'ai follow et que je fais n'importe quoi. Chat, s'il te plaît! Merci. Et du coup, tu faisais quoi sur Sea of Thieves? T'es le genre de joueur full PVP, full PVE? Tout! Ça rejoint à tout va, mais oui, tout à fait, merci beaucoup. Du coup, je me barre en fait. Ici, c'est pas le... Oh, il y a trop d'explosions. Oh, putain. Ah, c'est vrai que j'ai une arme lente, faut que j'arrête de... d'être lente. J'ai même pas vu ce que le coffre m'a donné. Elle m'occupe à pécho toutes les ressources que je peux. Ça va faire un jour que je suis partie, ils vont tellement tous mourir. C'est bien le poison avec la hache parce que la hache a tendance à mettre les ennemis, en tout cas de ces levels là. Très low, mais ça les tue pas. Du coup, bah, avec le petit dot donné par le poison, ça permet de les achever, c'est pas mal. J'aime bien ça. Essaye de ne pas couler trop vite. Ah ouais, ça c'est ce que j'ai fait aussi à chaque fois que je joue à Sea of Thieves. Genre deux fois par an. Bon bah... On essaye plus qu'on y arrive souvent. Ah, mais il me saoule lui, dégage. Trop chiant. Oh, il fait nuit, faut que je me dépêche, ça fait une journée qu'ils ont pas mangé. Même plus du coup. Donc le jeu après plus d'un an, c'était pas évident. T'as repris solo? Bah non, tu dis on. En même temps solo c'est injouable. Je peux 10% de chance de bloquer les dégâts, c'est cool, je prends. Je m'appelle les apéros de ma grand-mère. Le village rejoignait à tout va, tout pareil qu'ici. C'est incroyable Pito, tu sais ça. Un petit cœur en plus ou... Lorsqu'il ne vous reste plus qu'un cœur, tous les ennemis reçoivent 2 dégâts. Je prends le cœur parce que je sais pas si ce sera très utile contre un boss. Oh, mais j'avais pas vu la vie qui me restait. Ah, je... Oh, mais j'ai tellement crevé en fait.
J'espère que si je meurs... Je crois que j'avais lu que c'est bon, mais si je meurs, j'espère que je garde mes ressources. Je vais rester comme ça. Oh, je vais tellement crever. Tellement die. Jamais fait. Ça ne s'est en live à toi, à toutes les personnes dans le chat. Merci beaucoup. Je vais aller manger pour ma part. Des bisous, prenez soin de vous. Merci vraiment pour le raid. Du coup, n'hésitez pas à passer le voir. Le petit Mister Fiston. Et pas Fion. Fiston, c'est aussi un verbe marrant. J'ai voulu partir. J'en ai assez de toi, jeune agneau. Cette ridicule mascarade a assez duré. De toute façon, j'ai qu'un cœur. Un demi. Je suis très mal barré. Belle fistouille. J'ai déjà pris un dégât. Oh, j'ai envie de m'éclater la gueule. Oh, quelle nouille. J'ai gâché un... Gâcher des missions. Comment j'esquive cette merde là? Et voilà, je suis morte en martyr. Oh, je perds tout, je perds une partie de tout ce que j'ai fait. Bon, j'ai quand même gagné plein de trucs, donc en vrai c'est déjà bien. Vite canné, mais j'ai canné. En suicide, mais je savais pas comment faire pour esquiver ça. Bon, c'est un petit peu beaucoup ce que j'ai fait. Bravo, mais j'ai fait ce que je peux. Et merci pour les applaudissements, merci beaucoup. Bon, qui est mort de faim? Bah ouais, ils sont tous super vénères, ouais. Bon, écoutez, je vais tous vous cuisiner des trucs. Je vais faire des plats d'herbe. C'est pas le bon. Ma foi, vacille. Je vois clair dans vos mensonges. Je vais dire à tout le monde qu'à Supercherie, ce sera midi. Oh non, il se rebelle. Hein. Oh non, c'est pas cool.
Ah, faut que je discipline en l'emmenant en prison. Faut que je mette Grisou en prison. Ah ouais, il pète un câble. Regardez, trop vénère. Oh là là, Thémonia aussi, elle est vénère. Ils me détestent tous. Je suis tellement désolée. Je les bénisse tous. Oh, elle me déteste tous. Bon, ok, ok. Je vais faire un pilori. Je vais faire une prison. Faut que je débloque la prison. Est-ce que je peux au moins? Ouais. Mais ça me demande trop de bois. Mais j'en peux plus. J'ai jamais de bois, moi. Il m'en faut 25, j'en ai 8 je crois. Quel enfer, je pourrais jamais. Tu m'aimes bien, Lix? Merci. Combien? On est 15. Bordel, allez! Oh, mais Grision, j'aime. T'es sûr que t'allais clipper? La secte Lidl. Mais fermez-la, je fais ce que je peux! C'est trop dur là! Encore 3 de bois. Je parie que j'en avoir que 2 avec ça. J'en ai 19. Ah bah il m'en fait 25 de toute façon. Tu vas faire caca toi. Ah je commence à le discipliner en faisant comme ça déjà. Ok c'est bien. Bon. Les mecs ils me récoltent la bouffe et ils le font pas. Allez. Je vais refaire un peu de bouffe. Là, ils ont pas mangé pendant trop longtemps. Je vais faire un sermon. De le faire, mais la récolte aussi, il me sert à rien là. Ah, si, sauf si je mets une ferme, peut-être. Merci pour le totem. Quoi ça? T'as une chance de vous soigner. Oh, ouais, ça c'est bien ça. Je peux pas? Non, j'ai pas assez. Ah, il me faut arme maudite. Ah, bah je vais prendre. Non, attends, attends. Couronne.
Il n'y en a pas qui font la tête, hein. Régime, je vais pas faire pour le moment parce que bon. Maintien de l'ordre, tiens, on va un petit peu voir. Là, je pense qu'il faut un peu sévir. Meurtre, débloque la possibilité de tuer un adepte. Ça pourra contrarier les autres. À moins que vous n'en profitiez de la discrétion de la nuit pour résoudre tous vos problèmes. Ça, c'est bien, ça. Rituel sacrificiel à effectuer dans le temple permettant à un adepte d'atteindre l'ascension de son âme. Tous les adeptes gagnent de la fidélité. Punir le péché ou célébrer la vertu? Ah, les deux sont intéressants. Moi, tant tu as dans la nuit, t'es tranquille. Donc le truc est derrière moi. Mais ça, bah, gagner en fidélité... Il y en a qui perdent en foi, alors je sais pas trop... Sacrifie Grisouille, ouais, mais je sais pas si je pourrais le sacrifier, faudrait peut-être qu'il soit un super stade de foi. Écoutez, j'ai envie de voir à quoi ça va ressembler les rituels sacrificiels. Dans le jeu. Calme. Ok. On verra ça. Hein. Je sais pas comment ça se passe, le sacrifice. Oh, des cacas. Nous aussi, on va voir Grisouille sacrifié. Je suis mal à l'aise à cause de toutes les statues. Si vous ne vous apportez pas un peu de repos, je vais sûrement mourir. Mais non, t'inquiète, je vais... Attends, mais j'aimerais bien t'apporter du repos. Voilà, je vais faire un repos forcé. Il a vomi. Donc j'ai toi le vomi, mais... Voilà. Ah, c'était pas si sale, hein. Avant. Voilà, je refais à bouffer. Des fois, je sais pas pourquoi, je me dis que... Je veux faire ça pipo au milieu, c'est mieux, mais peut-être pas. Hein. Oui, j'imagine que ça change rien en vrai. Ok, je nettoie. Et je vais voir après comment on peut sacrifier des gens là. Faut que je refasse un lit aussi. Ça aide, comme qui va. Ça va, oui, et toi? Je galère à nourrir mes adeptes, mais ça va. Pliner ou tuer le rebelle? Peut-être le tuer, hein. Je fais pour tuer. Oh, regardez, ils ont tous vomi là! C'est gros dégueulasse là! Il y en a qui doivent dormir par terre, je pense. Oh bah non. Tabernacle. C'est quoi le tabernacle? C'est pour un sacrifice? C'est pour les adeptes qui ne prient pas auprès de l'hôtel de générer de la dévotion au cours de la journée. C'est bien ça. Un poste de mission permet de former des missionnaires pour recruter de nouveaux adeptes, collecter de la nourriture ou du bois. Oh, je vais prendre ça. Faut que j'en envoie collecter de la bouffe. Arc d'invocation démoniaque? Oh, trop bien. On fera ça après. Mais bon, à tous les coups, j'ai pas de quoi construire. Ah si, y en a un qui dort là. Ah bah, et Pitou, bah oui, il a pas de lit, Pitou, désolé. J'en ai pas encore fait.
Faut que je fasse plus de ça aussi, hein. Alors. Pas dit partant quand t'as pété. Je vais avoir 2 heures de décalage, je relance la page. Normalement, ça va mieux le décalage. Normalement. Ah, ça me demande 20 de bois, évidemment. J'en peux plus de jamais avoir de bois. J'en peux plus. Combien de cercles d'invoque tu vas voir? Ouais, ouais, ça invoque un pet, apparemment. Ça me plaît beaucoup. J'ai mis une vieille fleur. Je veux construire. Je peux pas. Non, c'est moi le décalage. T'es un mec un peu décalé, toi. Bon, ils ont l'air tous de moins m'en vouloir. Je vais essayer de tous les bénir. Antémonia est contente. Si le bois et la pierre que vous trouvez dans les donjons ne suffisent plus, construisons un poste de bûcheron et une mine afin que nous puissions vous aider à récolter des ressources indispensables. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je croyais que ça servait juste à des... Ah ouais? Ah bah oui, je vais. Mais j'ai pas de quoi. Ah non, il me faut que j'en ai. Faut que je les débloque. Quoi, je vais te soulever, toi. Comment je sacrifie des gens? Oh, je demande ça comme ça, hein. Mais arrête de gueuler! Je vais dire d'aller se reposer peut-être. Non. À gueuler là. Alors ce serait où? Mine et poste de bûcheron. Il me faut un poste de bûcheron d'abord. Tu te tais un peu? Je sais pas si j'ai béni tout le monde. On va faire Nalou qui est en train de mourir. Allez, un petit serment. Les gens vont se faire dépoiter par l'axe. Ah, il me saoule. Ah bah je prends un demi-cœur perma, je prends. Merci beaucoup, Tila! Merci! Merci beaucoup, comment tu vas? Merci beaucoup. Ouais, ça c'est ma nouvelle doctrine. Mais en vrai, je peux pas sacrifier, hein. Moi je sacrifierais bien Grision, mais... Mini raid, bah meurs-tu? Toutes tes raids sont appréciées. Tu es adorable. Bon, je peux pas fertiliser. Je vais voir s'ils ont fait caca. Puis j'irai pêcher. On va aller faire ça.
En espérant qu'ils pètent pas tous un câble pendant que je suis pas là. Vite, tu me casses toi. J'ai pas de bouffe, hein. Non. Ça a été très kilo. Ça va être qualité de stream. Vraiment ou pas? Non, parce qu'en ce moment, c'est un peu l'horreur. Je galère de fou. Donc ça peut être ironique. Bien, mon poussin s'appelle Lox. Elle ne veut pas couver l'œuf. Moi, je veux bien. T'étais sur quoi? C'est pas ironique, that's true. Merci! Ça me touche beaucoup. Oh punaise, du bois. Tu vois à quoi du coup, Gilo? C'était quoi ton truc? Acheter une apparence adepte. Plus tard. Là, j'ai d'autres prios. Ginkum. Je connais tellement pas. Ouais, c'est un peu ce que je ressens. Ce que je ressens en ce moment. Non, en vrai, là, c'est bien. Là, on a trouvé une super terre. Une copie d'Animal Crossing sur Steam, du coup. Une grosse copie parfaite. Ah oui, d'accord. Parce que j'en ai vu plusieurs copies, mais en général, c'était plus des grosses inspirations avec des choses rajoutées, des choses différentes et tout. Ok. Et alors, ça te plaît? N'hésitez pas à aller voir Gilo, elle fait aussi... elle fait pas mal de jeux indés, elle fait de la création, des Sims. Elle faisait du Planet Zoo à une époque comme moi, mais ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué toutes les deux, je crois. Des FPS. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, à passer la voir. Merci beaucoup. Moi, je suis en train d'essayer de nourrir mes adeptes, c'est très compliqué. Ouais, j'aime aussi Animal Crossing. Oh, je savais pas si tu avais joué en fait. Je savais pas du tout. Ah oh, non, non, non! J'ai payé, je voulais juste. J'ai payé 10 pièces. Bon, c'est pas grave, j'en ai un, mais. Oh, une petite apparence de cerf. En vrai, c'est bien. C'est une que je voulais. Bon, on va pêcher. Ah oui, c'est un requin, vous avez raison. Celle-là. C'est nul! Oui, bah disons, je fais ce que je peux. Ah, non. Bah non, on a fini Stray! Ah ouais, on a fini Stray ce soir aussi. C'est tout mignon ce jeu. Peut-être celle-là. Ça change pas grand-chose. Un petit peu. Ah, si je fais comme ça. Eh bien, tu attends peut-être que je pêche à ta place. Je ne suis pas un de tes fanatiques sans cervelle. Ça va, explique-moi juste, hein? Oh, les poissons énormes! Ah, ça c'est... Ah! Ah, c'est comme... Oh, punaise! C'est comme dans Stardew. Mais dans Stardew, j'ai toujours galéré. J'adorais pêcher, mais c'était très dur parfois. Oh, ouais! Je suis pas comme moi. Je suis pas comme moi. T'as peut-être moins inutile que je ne le croyais. Dis, on pourrait peut-être t'entraîner. Il se trouve que j'ai pêché quelques trésors très précieux devant ma carrière. Des trésors qui n'ont aucune utilité pour moi, pour un pêcheur tel que moi. Mais toi, tu as une tête à aimer les trésors. Les créatures les plus insaisissables se cachent sous les algues. Voilà des années que j'essaie de les attraper. Tu arrives à les pêcher pour moi, ces trésors seront à toi. Attrape un crabe, un homard, un poulpe, un calmar. Pense aussi en guise de bonne foi entre deux amis qui ne sont pas des poissons. Ce n'est pas un poisson! Donne une chance de recevoir un poisson lorsque vous tuez un ennemi. Mais c'est fantastique ça! À cause de toi, je me retrouve souvent en stream à dire c'est nul en imitant la voix d'Homer! C'est nul! Trop bien! Je vais te voir faire ça. J'ai mis suivre et ça marche. Eh bah c'est gentil. Là, si tu me tues. Non, je t'aime beaucoup. Par contre,
Je risque de tuer un de mes deux adeptes qui s'appelle Grigion. Parce qu'il pète un câble, il commence à tout niquer. Mais aussi, je les ai pas nourris longtemps. Sauf que dans ton jeu, on peut couver un œuf. Ça, c'est fantastique. Oh, des petits poissons nuls. Si je fais pas beaucoup, là, comme ça, voilà. Oh non, c'est des petits, je veux pas les petits. C'est tout gros, là, tout balèze. Du bois. Oh, on peut choper du bois dans l'eau. Non, je voulais pas faire aussi fort. Pas du tout. Un plan? Une tête de requin! Je suis incroyable! On peut avoir des têtes de requin! Je voudrais une tête de poulpe. Dans la vraie vie aussi. Ça me ferait très plaisir. Il y a des têtes de requin dans le jeu, quoi! Ah, ce jeu est trop bien. Eh, hey, salut Hanté! Hanté! Y a un Grigion qui fait n'importe quoi, il essaye de vous monter contre moi. J'ai dit un Grigion parce que j'ai... Oh, j'ai eu un poulpe! Un poulpe, enfin! Pourquoi j'ai pêché ce truc? Je suis coquin mortel, n'en aurait jamais d'utilité. C'est là que tu entres en jeu. Je sais que cette merde. Mieux moi. Moi c'est Pignoufou qui m'a saoulé. Mon vieux frère, je l'ai mis dans le culte. Il a voulu 3 fois que Gwenaël mange de la merde. Il voulait 2 fois que Gwen soit emprisonné. Il s'est rebellé. C'est trop drôle, il peut pousser les adeptes à bouffer de la merde. C'est vraiment le meilleur jeu du monde. Du coup, j'ai envoyé faire des courses dans la jungle. Ça, il faut que je fasse. Je l'ai pas encore pu le construire. Bon. On va continuer à pêcher. Le gros. En vrai, je sais pas si ça donne plus d'avoir un petit gros poisson. Sûrement, mais on va voir. Poule. Oh, il s'en va, il en veut plus. Dans la chevetron. Oh, 14. Bon, ils ont mangé au moins. Il me fait toujours peur, Grigion, à vouloir tous... Ah, punaise. À vouloir tous les faire se rebeller, mais sinon... Bon, ça va. Tout vénère. Tout mignon. Vénère. Mignon. Vénère. Mignon. Il y a quoi là-dedans? Je suis pas allée. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais m'amuser avec Dobby là. Comment je peux faire ça? Comme ça! Oula! Pas comme ça! Ah, qui ose entrer dans la demeure de la lumière sacrée? Oh, toutes mes excuses, mais nous sommes un peu anxieux. Voyez-vous, malgré nos prières, la lumière du phare faiblit un peu plus chaque jour et les bateaux s'écrasent sur nos rochers. Il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus de pèlerins pour emprunter le sentier sacré. Si seulement notre guide était là, elle saurait quoi faire. Nous ne l'avons pas revue depuis qu'elle est partie un jour se promener sur les jetées tard la nuit. La mère de vie, nous l'avons supplié de pas y aller de la vie. Plutôt autre chose que de prier pour que le phare nous éclaire de sa lumière une nouvelle fois. Saluons ensemble la lumière sacrée. Mais le cœur! Je peux vous taper? J'ai pas de bois. Si j'ajoute du combustible, j'aurai pas de bois pour mes adeptes à moi. Et plus tard, hein. Je veux un bois, moi. Tout à l'heure, hein. Mignon, mais j'ai des prios. Moi aussi, j'ai des adeptes. Des adeptes. Ok, je m'en vais. Je rentre à la maison. C'est trop fort, sérieux, je ris.
Ah, je fais ce que je peux pour vous donner un peu de spectacle, un peu de paillettes dans vos vies. Bon, il est au Grigio que je... Toi, t'arrêtes de faire chier les autres. Grigion. Bon, c'est pas le vrai Grigion, c'est le Grigion d'avant quand j'avais pas encore l'appli. Quand j'avais pas encore l'extension. J'ai ramené du poisson, les copains. J'ai hâte de bouffer du poisson. Bon, seulement 5 d'entre vous, vous débordez, hein. J'ai appuyé sur A, en fait, hein. Attendez, avant je vais bénir. Ah mince, j'ai empêché Pitou d'aller manger. Toi, tu ne l'écoutes pas, toi, hein. Attention, hein. Ah, il a une quête. Vous avez fait ça pour moi, vous êtes véritablement incroyable. J'ai fait quoi pour toi? J'ai vu. Ah, j'ai recruté des adeptes. Je crois. Ah, elle va vomir. Attends, putain, vomis pas. Oui, donnez-moi de la dévotion, j'ai besoin. Voilà. Attendez, je nettoie vos cacas. Vous excitez pas, tout va bien. Attention, je vous ai l'œil. Hein. Vous sacrifiez, moi. Ok, je vais pouvoir faire de la bouffe. Après les abdos, les abdettes. Et c'est un autre muscle, tu connais pas. Pomme poisson. Ton truc, c'est donc la morue. C'est vraiment l'humour, vraiment génial. Voilà, arrose. Je sais pas à quoi ça me sert les camélias. Ça m'emmerde un peu. Waouh! Merci beaucoup, Aurel! Mais que des raids, ce soir, merci beaucoup! Merci! Bonsoir, Nami Lindette! Bonsoir, B. Hugo! Bonsoir, Equilol! Merci! Bonsoir, Bubbline! Bonsoir, Sourine! C'est mignon, Sourine! Oui! Merci beaucoup! Désolée, j'étais en train de nettoyer les cacas des adeptes et de faire en sorte qu'ils me haïssent pas. Pour ça, j'y arrive pas bien. Bonsoir, Cadbury Hill. Mais sinon, tout va bien. Oui, fallait que je fasse un truc. Une prison. C'était ça. Oh, mais j'ai pas beaucoup de bois. Soit je fais une prison. Soit je fais pas ça parce que j'ai pas les sous parce que je les ai dépensés pour un skin. Ça doit être ce que ressentent les joueurs de Minecraft. De Fortnite. J'ai raté ma vanne. Je vais mettre au pilori ici. Merci. Vous étiez sur quoi donc? J'espère que ça va, vous avez passé une super soirée, mais j'ai pas de doute avec Aurel. Merci beaucoup. C'est adorable, n'hésitez pas à le follow. Il fait des let's play, des jeux indés, des soirées rétro, des Lego. Plein de choses. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. J'ai eu une longue période d'absence sur Twitch. Merci beaucoup. Reste pas, je te souhaite un très bon stream. Bonne nuit à tous. Merci vraiment. C'est giga adorable. Merci beaucoup. Merci pour le resub. Je sais pas quoi dire. Pour le troisième mois. Merci beaucoup. Et très bonne soirée, très bonne nuit. Et à très bientôt. Moi, je leur que souvent. Je t'ai fait Sam & Max. Ou plutôt rétro, effectivement. Je te retiens plus, désolé. Merci beaucoup, vraiment. N'hésitez pas à lâcher un follow. Et merci pour le totem de la bouffe. Évidemment, du bois. C'est super. C'est fantastique. J'adore ça.
Je vais faire un sermon. Bon, les sermons, c'est sympa. C'est toi, merci. Merci beaucoup. Venez à toi. Ah là là, c'est compliqué. Je suis encore un peu en phase de... pas de découverte du jeu, parce que maintenant, ça fait... Voilà, ça, c'est mon deuxième live dessus, mais... J'ai pas... Voilà, je suis pas encore à l'aise avec tout. Ouais, tu me piques d'autres trucs pour les calmer, là. Au-delà. Tiens, on va voir l'au-delà, un peu. Nécessité du sacrifice ou le confort de la réincarnation? Ben, le sacrifice, c'est pas mal, hein. Don de soi. Tous les membres du culte gagnent en croyance don de soi. Plus 1% de fois lorsqu'un adepte est sacrifié. On va faire ça, hein. On a déjà fait sacrifice parce que je veux voir à quoi ça va ressembler. Tous les membres du culte gagnent en croyance réincarnation. Moins 5% de fois au lieu de 20. À la mort d'un adepte. Ah oui, d'accord. Du coup, s'il y a une mort accidentelle, ils sont contents. Ouais, mais on va faire sacrifice. Écoutez, c'est devenu mon truc. Et verre dans le verre. J'ai fini mon coca. Est-ce que je peux faire un rituel ou pas? Ça fait longtemps. Oui. Ah mais ça me coûte des sous. Mais du coup... Oh ouais, je vais faire ça. Ça me coûte... Oh putain, mais ça me coûte plein de bois. Ah, c'est dur. Le sacrifice. Par contre, je ne sais pas encore comment sacrifier un adepte. J'ai une petite idée sur celui que je voudrais sacrifier. Merci, Kilol. Kilul. Et Kilul. Il a pas peur de follow. Ah, c'était pas la bonne gueule. Pas la bonne voix, c'est pas grave. Alors, on va faire un petit poste de bûcheron. Bûcheron. Ça, c'est important. On va le construire si on a cette bois. J'en doute fort. 15 de bois. Mais 30 pièces. J'en peux plus, j'ai jamais assez. J'ai sacrifié personne là. Non, là ça me donne un bonus si je sacrifie quelqu'un, mais je sais pas encore comment sacrifier, il m'a pas dit le jeu. Ah mais fallait que j'envoie Grision ici. On verra ça plus tard. On verra ça quand il fera jour. Qu'est-ce que c'est ça? Recevoir une récompense de fidélité. Oui, je veux. Ah mais merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Je réveille la nuit pour leur dire « Eh, vous m'aimez ?» Merci. Merci, Aigo. Ah ouais, Florian, il a toujours pas de... Je vais te faire un lit un jour, je te promets. Mais pas maintenant. J'aime. Non mais j'ai besoin de boire. Écoutez, les lits c'est bien, mais dormir par terre c'est un petit peu le symbole d'une dévotion absolue quoi. Il y a des araignées, je peux pas en faire. Ah oh, ça me donne de la viande. Je fais des araignées, ça me donne de la viande. Comme en vrai hein. En général, on en a pas besoin. Mais... beaucoup d'endroits où on mange de l'araignée, je crois. Bon, je vais essayer de cuisiner des trucs. C'est quoi ça? Plat de blé. Voilà, comme ça ils auront un petit déj. Oh, j'ai encore des baies ici, j'avais pas vu. J'ai quitté la secte. Mais non, reste! Tu es très dévoué. La meuf qui est dans la tente. Eh, tu dors? Pour savoir? Pour savoir si tu m'aimes. Tu pouvais pas te rêver de moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout. Vénérable guide, j'en ai assez de devoir dormir dehors à même le sol. Les insectes me piquent les pattes et mon dos me fait souffrir. Pourriez-vous me construire un endroit où me reposer? Et voilà, ça y est, il vient chialer celui-ci. Non mais oui, je vais vers ça, c'est ma priorité en tant que guide. Vers ça. Tout à fait, ouais, fais chier mon bois quoi. Je peux même pas. J'ai pas de pièces. Disons, mais va... Oh, je vais extorquer, attendez. Je vais extorquer... Thémonia. Désolé, Thémonia, mais oh, je peux pas. Je peux pas
pas extorquer? Je pouvais extorquer des gens? Oh, je peux plus? Interagir. Ah oui, c'est là. Lix, j'ai besoin de sous. Ah, il m'a donné 2 pièces, merci. Je vais faire ça un peu à tout le monde. C'est pour ton lit, hein. Oh, l'autre, je vais l'envoyer en prison. Attendez. Fou coton. Je vais voir si ça... Emprisonné. Tiens! Merci, Talmir! Il est trop rigolo. Ah non. Oh, Damien! J'ai besoin de sous. Merci beaucoup. Je lui offre un cadeau. Bon, en vrai, j'aurais pas dû offrir à elle parce qu'elle a pris beaucoup, mais c'est pas grave. Bon, j'ai eu des sous, je peux lui construire un lit. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Allez, construire le lit de Pitou. Lion, j'ai besoin de sous. Merci. De manière, j'ai déjà fait. Kusake! Petite bénédiction avant. Petite béné et même double béné. Cimer, c'est vachement sympa. Ça, c'est le lit de Pitou. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui fait caca dans les fourrés. On va take it de caca. C'est bien ça, extorquer. Je regrette pas l'avoir mis. Comment elle le trimballe, c'était très drôle. Bienvenue à toi, Talmir. Merci beaucoup du follow. Alors, t'es deg, hein. Discipliné. Ah, ça va aller mieux, là. Je peux faire quoi? Des plats de baie. Eh ben, je vais en refaire 3. J'ai 9 pièces, c'est pas beaucoup, hein. Attends, j'ai extorqué tout le monde, je crois, hein. Bon, sauf celui qui râle là-bas. Ah, il y en a un qui a une mission. Ah bah oui, je lui ai fait sa mission, du coup il va me donner des trucs. Merci Guy, je savais que je pouvais te faire confiance. Oh. Nice. Toujours pas. Ah voilà. Pour débloquer d'autres trucs. Je vais prendre la mine, hein. Il va falloir les deux. J'ai tellement pas de sous pour construire. Mais fume ce jeu, il est trop. Merci les trésors d'avoir lâché mes poches de mon argent. De rien, c'était un plaisir. Comme je dis, hein, c'est intrinsèque au job de streamer. Mon perso dès qu'il y a la bouffe, il va dire avec tout. Il est toujours pas loin, il est toujours bien placé. Bon, je vais faire les camélias, même si encore une fois je sais pas à quoi ça sert. C'est pour ça que je les fais pas s'occuper des camélias, c'est que pour moi je sais pas à quoi ça sert. Ah, mais là il y a de la bouffe! En envoyer un ou deux faire les champs. Je pense qu'ils vont y aller, mais... Toi, Alice, tiens. Je vais t'envoyer t'occuper des champs si je peux. Permis. Bon, la dévotion, ça va mieux, hein. On va... On va pouvoir retourner en mission. Oh, je peux en faire que 2. Voyons, c'est pas beaucoup. J'aurais nourri tout le monde là, je crois. Ah, j'ai déjà fait discipliner. Discipliner. Bon. J'ai moins peur de les laisser seuls là. Ah, avant, faut que je nettoie.
Bon, ça va, la plupart font des cacas dans les coins, c'est gentil. Merci, Sourine! Merci beaucoup! Merci beaucoup, Ufolo! C'est très gentil. J'ai mis mes cacas? Non. J'en ai mis des cacas! Voilà. Bon, je vérifie si c'est bon, si c'est à peu près propre. Est-ce que je peux retourner pêcher? Très bien. Waouh! Ils sont très dévoués. Bon! Si j'ai bien compris, le jeu s'adapte parfaitement à la présentation de ta chaîne. Bienvenue au temple de l'Elf. Exactement! C'est pour ça qu'on m'a dit ce jeu est fait pour toi quand il est sorti. Mais tout à fait. D'ailleurs, mon écran de. J'avais un délire il y a longtemps sur le temple loxotérien machin. Ça vient de quand je joue à Minecraft. Et il y a un dessin qui avait été fait par un viewer qui me sert d'écran de fin de stream, enfin d'offline plutôt. Et qui correspond parfaitement à ce délire aussi. Voyager. Je vais retourner au pêcheur. Pour voir s'il y a des nouveaux trucs, même si je pense pas parce que je suis restée la nuit, enfin je suis arrivée la nuit là-bas. Mais il y a un nouveau jour qui a commencé donc normalement... Ouais, des nouveaux trucs. Bonjour. J'ai pas ce que tu m'as demandé. Mais moi je passe ma vie à pêcher dans les jeux où je peux pêcher alors c'est très dangereux de me mettre ça dans les mains. Ouais, trop bien. Pas loin, ça sert à rien. J'espère, je pense qu'on pourra trouver du coup des endroits dans les donjons où on pourra pêcher. Avec des poissons rares et tout. Comme dans Hades. Oulp. Les gros poissons, mais les gros ils donnent plus de bouffe du coup. Je sais pas, là c'était un petit là. Peut-être des trucs plus rares. Bon, ils ont pas l'air plus difficiles à pêcher, je sais pas. Je suis mitigé, hein. Mitigé. Les petits sont plus rapides, hein. Les gros, ils chopent jamais l'hameçon. Trop de loser. Là, lui, il avait direct la gueule ouverte. Il savait que j'allais viser là. Au fort. Pour 16. Ah, déjà ! Le temps passe trop vite quand on pêche. Peut-être qu'il faut que je pêche à certaines heures aussi. Si les petits sont peut-être un peu plus faciles parce que la barre semble plus grande. Oui, du bois ! Combien ? 2. Pas fou. On va tout pêcher de toute façon. De toute façon, il faut. Bon, le poulpe, bon là. Hein. Les autres trucs, j'ai déjà oublié ce que c'était tellement on les voit jamais. Je peux choper du bois, mais je suis contente. Hein. Oh, des pièces! Ce serait trop bien qu'on puisse choper des pièces! Hein, faut que je fasse du donjon là. Faut que j'arrête de faire d'autres trucs. Mais bon, trop de trucs à gérer là! Trop de trucs à gérer. Oh ouais, regardez comment il est tout lent! Moi j'ai pas encore raté de poisson, je sais pas ce que ça fait. Je sais pas au bout de combien de temps surtout. On a quasi fini. On va grâce à notre maîtresse.
Donc vous avez le poison. Oh, on peut ramener. Peut-être des fois les attirer plus près du bord, mais en fait je pense que c'est pas plus rapide. Non ? Oh, j'étais un peu petit bras là. Et the last one. Ok, j'ai pas eu ce qu'il voulait. Non, c'était homard et crabe en plus du calmar. Ok. J'ai toujours besoin de bois, du coup je vais pas leur donner. Et du coup je m'en vais. On fait la maison. Temple loxotérien. Ça à tous. Ah les potos. Mais pas oublié hein. Non ça va, si. Ouais, ça va. Ah. Discipline. Allez, la bouffe. J'en ferme, mais je récolte aussi. Peut-être qu'on peut faire des plats avec baies et poissons. Du coup, si c'est ça, c'est bien. Abonnez-vous à la secte et cassez-vous. Parce que j'ai du pain. J'ai du pain spiritique sur la planche. Du pain spiritique. C'est les inconnus, ça, je me rappelle pas. Je me rappelle de la secte Vishnu, là. Non, dis quoi. La déesse Vishnu, oui, c'est ça. Mais je me rappelle pas de ça. Avec Skippy le maître, là. J'ai full bouffe, là. Les premiers auront un plat 2 étoiles. Les autres auront un plat 1 étoile. Faire de bouffer pour tout le monde sauf pour Grisou. Enfin, le premier Grisou. Ah, des pièces là. J'ai des pièces. Je suis là, Lux. On dirait qu'il va pas bien. Voilà, je le bénis. Ah, là, il va mieux. Ah non, il est malade. Ah mais c'est dès qu'ils voient un caca, ils sont malades. Oui, non, mais au bout d'un moment, quand vous venez juste de le faire, habituez-vous à votre propre chiasse, quoi. pardon. Non, mais c'est vrai que bon. Par contre, ils font caca très vite. C'est sketch de Skippy. Oui, c'est Skippy, ouais. Prums. Et qui a mangé en premier, c'est toi, hanté. Maintenant, j'ai assez pour faire l'autre adepte. Vous allez pouvoir participer. Let's go! Attention! Tirage au sort. Vous allez pouvoir donner votre nom et choisir l'apparence. En plus, maintenant j'en ai une nouvelle apparence de requin pour le nouvel adepte, si vous voulez. Si vous voulez pas, bah c'est pas grave. Mais je sais que bon, tous ceux qui sont déjà là, ils ne peuvent pas de nouveau participer. Voilà. Est-ce que, attendez, j'ai eu la notif, moi? Ah zut, oui. Alors après, je sais pas si vous mourrez. Enfin, si vous... Pardon. Si votre personnage dans le culte meurt, je pense que vous pouvez de nouveau participer. Mais sinon, je sais pas. Donc t'es participant? Sinon, je fais... Je peux pas participer à une troisième en témoignage. Bah, sinon, je vais faire tirer au sort maintenant, tant pis, hein. J'attends encore 2-3 secondes. Vous signez, vous atterrez à la secte, vous cassez parce que moi j'ai du pain spiritique sur la planche. D'accord. Je me rappelle pas du tout de cette phrase. Je me rappelle de pas mal de trucs sur ce thème là, mais sur ce thème, ce sketch, mais pas plus. Et bah écoutez, c'est pas grave, attitude 3, 2, 1, comme le tirage. C'est Almir qui peut créer son petit agneau. «
Tout bien que tu t'étiens est un souci qui te retient. Je mettrai ça au CV et là pour vous ôter de vos soucis. Oh, ça on le savait. Parfait. J'ai remplacé Skippy par Lox, c'est trop bien. Mais oui. Ah, la tête de requin, elle est trop bien, je la trouve trop cool. Tu peux pas participer. Mais pourquoi? Parce que t'es sur téléphone ou pas? Ou alors peut-être que t'as désactivé les pop-up ou un truc comme ça. Ah, chance, j'avoue, la tête de requin, elle défonce. Oh, elle est trop bien, regardez. Il est trop bien. Alors, c'est quoi ses stats? Se soigne 15% plus vite une fois au repos. Ok, c'est bien. Ah ouais, moins de fois en tombant malade, ça c'est beaucoup. Du coup, Talmir, je pourrais t'envoyer en mission si tu guéris plus vite. Il y a un plat pour toi, parce qu'il est affamé celui-ci. Il y a des trucs en plus, en moins. Acceptez le cadeau d'Anté. Et où Anté? Elle fait de l'arrosage. Merci beaucoup! On va faire cercle d'invocation démoniaque du coup. On testera ça quand on pourra, quand je pourrai construire. Ouais, pour le moment, c'est compliqué. Qu'est-ce que j'ai? J'ai combien en bois? J'ai combien en thunes? Pas assez de quoi? Oh, j'ai pas assez de pièces. Je vais stalker, on va voir. Oh, il va pas bien. Il a l'air tout fatigué. Ça va pas? Deux pièces, ok. Mais regardez, ils sont tout pas bien, ils ont l'air tout fatigués. Je vous bénis, vous êtes pas content? Ah, je sais pas si j'arriverai à avoir tant de pièces. Hein. Il y en a qui ont l'air tout fatigués, je sais pas pourquoi. Et d'autres qui ont l'air moins fatigués. J'ai peut-être y arriver en fait, hein. J'ai déjà estorqué à peine arrivé. Ça va me mettre de bonne humeur. J'ai 24 pièces. Oh, c'est possible, c'est possible. Bon, voilà. Elle se fout de sa gueule. Hanté, elle se fout de la gueule de Grésion qui est empoisonné, c'est trop drôle. Hanté, t'auras pas de la monnaie? J'ai 28 pièces, il m'en manque plus que 2. On va y arriver. Rends la moi. Mais non, mais c'est pour faire un truc. J'ai oublié quoi. Ok. Je suis araignée pour aller, voilà, pour avoir des bouts de viande. Je vais faire des super steaks d'araignée aromatisés à la baie sauvage. On dirait une nouvelle, hein. Ok. Un truc à nettoyer, tout ça. On aurait plus que 2 pièces à trouver et on pourra construire un truc de bois. Parce que c'est le bois qu'on manque le plus. Et avec ça, on pourra construire d'autres trucs et ce sera fantastique. Ah, faut que je pense aux amis. Plus tard.
Sur PC, j'ai des pop-up d'autres extensions, je sais pas pourquoi. Ah ouais, trop bizarre. Je sais que... Ouais, non. Je saurais pas trop te dire pourquoi. 2 heures déjà. Ah oui, déjà. Mais je passe... Le temps passe trop vite sur le jeu. Pas le jeu passe trop vite sur le temps, ça veut rien dire. Des bisous, Loris. Bonne nuit à toi. Petite bénédiction. Faut que je fasse un sermon aussi. J'en ai pas fait un hier. J'en ai pas fait du tout. Merci pour les 2 pièces. C'est bon. On va faire un truc à bœuf. Et on va faire ça... Russie. Ça gêne pas? Non, là-bas, j'ai rien construit là-bas. Voilà. Faut que je nettoie très vite leur caca, parce qu'ils vomissent très vite, hein. Ne me jugez pas, mais j'ai toujours voulu goûter un plat à base d'excréments. Pouvez-vous m'en préparer un? Mais t'es scato, Lix! Il me faut 3 d'excréments, merde, j'en ai utilisé un sans faire exprès. Bon, je vais voir, il va bientôt y en avoir d'autres. Incroyable ce jeu! Lix, c'est chelou! Waouh! Bon toi là, ça fit un peu. Bientôt, le prochain sera bon. Bon cela dit, ça fait une bouche en moins à nourrir. Oh oui, récolte-moi un petit peu, ouais, je te remercie. Hop, hop. Bon bah du coup je fais hein. Je suis un peu mal à l'aise. Faut pas que j'interrompe quand ils ont une petite discussion, sinon c'est pas content. Au chaud dans sa cabane pour le voir. Oui, c'est vrai que c'est très mignon. Voilà, bah il est tout content. Vous avez fait ça pour moi, c'est une véritable incroyable. Ah, y'a pas beaucoup de gens qui feront ça dans la vie en général pour toi. Je te dis bien. Bon, je sais plus qui j'ai béni, mais on va faire ça de toute façon. Allez. Il va falloir que je fasse une nouvelle doctrine. Déjà ça. 3 nouveaux maléfices à utiliser dans le donjon. Ah et ça c'était bien ça. Le vampirique ça me plaît bien. Sur la bouffe. Genou le festin débloque le rituel permettant de déclarer un jeûne. Les adeptes ne mangeront plus pendant 3 jours. Ça va peut-être m'arranger ce truc. Rituel du banquet débloque le rituel du banquet. Organisez un grand banquet pour nourrir vos adeptes et gagner plus 25% de fois. 25 fois. Franchement, ça va faire grossir le rituel du banquet. J'aurais déjà 20. Non, mais on va faire le jeûne. C'est bien ça. Je vais le déclarer bientôt, je crois. Ah, j'ai pas assez d'os. Merde. Bon. Bah quand je pourrai.
c'est un rituel sacrificiel aussi. Bon, ça aussi quand je pourrais. Il me faut des os. Donc il va falloir que je parte en donjon. Je ne sais pas si ça coûte pas cher, mais c'est ça. C'est un petit peu l'idée, ouais. Je fais juste un plat. Vous le partagez. Ok. Bon. On va pouvoir nettoyer ça. Je vais te le donner à Ali. Ok, bon, on est parti, je pense. Hein. Merci pour les caca. Ah. Deux plats encore. Il faut que je reste sans qu'ils mangent parce que bah juste après ils font caca et je veux pas qu'ils fassent caca partout. C'est du ramassage de caca. Bah on m'a demandé effectivement. Salut Hitsover. On m'a demandé. Un de mes adeptes m'a demandé de lui cuisiner du caca. Effectivement, si ça les nourrit carrément, oui. Hein. C'est perturbé, j'avoue. Il doit être perturbé aussi. Ok, j'ai des trucs à déposer. Non, c'est ok. On va pouvoir se barrer. Je vérifie encore une fois s'il n'y a pas de nettoyage à faire. Et on va pouvoir se casser. Je pense pas que j'en ai vu spécialement, mais c'est qu'il me faut des ressources comme d'hab. Petits abris. Ça va les rendre heureux. J'ai pas de bois, ça me nire. J'espère que ça va marcher, hein. Ça me donne 3. Ah d'accord, il y a un petit coffre ici et ok. Bon, on n'a pas le choix de partir. Hein. Oui. J'espère que ça va aller, laisser tout seul comme ça, là, ils m'inquiètent tous. Je vais lire. J'ai lu très vite. Bon, j'appuie trop vite. De toute façon, il y a des caca, mais je ne voudrais pas trop spoiler. Ah, mais me dis pas. Je verrai largement assez tôt. Ça c'est quoi? Au coup c'est plus les ennemis à part. Ok. Et bon, on va voir. Oh d'accord. Faut que je fasse un sacrifice. J'ai envie de voir à quoi ça va ressembler. On va avoir des os. Du coup, on va pouvoir. Je pense après ce truc qu'on pourra. Merde! Ah, ça fait vraiment une AE. Donc ça, faut que j'utilise quand il y a du monde. Et en plus, c'est plutôt rapide. Donc c'est bien.
marche. Elle est déjà puissante, ça devrait être pas mal. Mais ça se manquait déjà. Écoutez, n'oubliez pas que si vous avez faim, demandez à Alix de vous préparer un petit truc, il y a une super recette très économique. J'ai l'impression que ça ne donne pas de boîte casser ça. Hein. Lolo. Oh non, j'étais trop... Mais oui, c'est vrai que... Ça ne donne rien de casser les décos, j'ai l'impression. Bien dommage. Un chemin, pourquoi ? Pour le moment, j'en fais pas. Un peu de prio. Là, j'ai un cœur. C'est une mission avec un nouvel adepte. C'est du bois. Comment j'hésite pas une seconde ? J'ai pu en apprendre. Non. Ça va. Nouvelle adepte, franchement, j'en ai pas besoin. Je peux pas. Ah oui, je peux aller là. Pardon, j'avais pas vu. Ok. Bah, voilà. J'y vais. Matière première, Elise. On a dû penser à la vendre. Mon blindé, non, vous étiez fou. Cela dit, à une époque, le caca. Ah, j'ai oublié. Et l'urine se vendait. Se vendait au tanneur. Demi-cœur supplémentaire. Eh ben c'est bien. Un cœur rouge pour gagner un cœur corrompu. Comment ça crée un cœur rouge? Je sais pas comment faire ça. On peut bêler. Tout ce temps, j'ignorais qu'on pouvait bêler. Moi. Ouais, j'imagine qu'il faut que je prenne un dégât. On va voir. Oh, je connais. Ah, c'est un vendeur. Proche trois créatures, c'est par toi des brumes tourbillonnantes du chaos qui t'entoure. Je peux sonder ton âme. Ta carrure est peu impressionnante, mais ton âme est redoutable. Bah enfin ! Non, je veux pas faire ça ! C'est juste qu'il parlait trop ! C'est niveau quoi ça ? Ah, c'est une vampirique ! Ah, je prends. Ah, mais c'est que des vampiriques. Ouais, allez, je vais prendre ça. Bon, je prends un dégât volontairement, on va voir si ça me... ça met un cœur corrompu. Non, pas du tout.
Mais comment je sacrifie un cœur? Je ne sais pas, tu me dis pas comment. J'ai 22 poissons quand même. Ah, comme ça peut-être. Bah non, même pas. Bon bah je sais pas comment je peux sacrifier un corps rouge pour avoir un corps corrompu, je ne sais pas. Une question à toi qu'on peut répondre. Ouais, je veux bien savoir. Là je pensais que... Je sais pas. Il me dit pas le jeu et du coup je risque de juste jamais réussir. Peut-être... Comme les Devil Deal dans Isaac. Ah, tu veux dire qu'il faudrait que je trouve une salle spéciale me permettant de le sacrifier? Sacrifier un adepte dans ton village? Mais ça, je pense que c'est que pour la run. Ah, en fait, je sais pas. Il me semble que c'est au totem, sûr, à 75%. Ah, d'accord, ok. Ah, je pensais que c'était que pour la run. Ah, faut que je trouve... Oh, ah, ok, ok. Au totem. Au totem, au totem. Okay. Merci pour l'info. Bon alors j'ai essayé de faire mon sort, ça n'a pas voulu. Petit cœur bleu. Je vais changer des cœurs dans une run. Ah oui d'accord. Ça me donne de la viande, ouais ça me donne des restes. Incroyable mais... Je prends. J'ai pas une map en haut. J'aime bien. Je peux pas descendre? Oh non, je pensais que je pourrais. Bon, je vais essayer de faire le boss. Vous êtes triste? Mais oui, mais d'où ça brille? Putain! Pour l'échange, zut! Tant pis. Vous sonnez parfois lorsque tu as un ennemi. Franchement, je vais garder ce que j'ai. Bon, en fait, c'est comme dans Isaac, on va dire. Enfin, ça, on peut. Où on peut faire certains trucs que dans l'étage, bah là ça doit être pareil aussi. Là j'ai changé d'étage, du coup je peux plus faire mon échange. Mais bon, j'avais pas de quoi le faire, on est d'accord. Pièces, c'est trop bien. On va pouvoir construire des trucs, ça va être dingue. On va se développer les petits gars. On va faire un petit sacrifice aussi. Le bidon. Il est très bien ce pouvoir. Ah, mais les projectiles qui pourchassent sur un boss, ce sera sûrement vachement mieux. Retourne à la base. En vrai, j'ai beaucoup beaucoup de ressources, donc je vais retourner à la base. En vrai. En vrai, je préfère. 9 minutes. Au revoir. Oh.
Oh, il veut me parler. Je suis enchaîné, réduit à la puissance, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été envoyé dans cet endroit de malheur par les prélats de la vieille croyance. Ils m'ont trahi, ils m'ont jeté dans cette geôle. Cette queue des chaînes qui me retiennent est protégée par l'un des quatre prélats. Tu n'es pas là et brise mes chaînes une fois qu'ils ont été éliminés, je serai enfin libre. Tu me dois la vie, porte couronne. Tu n'as une tête envers moi. Vas-y, lumière. Ah oui, effectivement, il y a un petit peu de lumière. Comme ça. Tu es encore trop faible pour pouvoir vaincre tes prélats. Sacrifier un adepte pour absorber son pouvoir, cela t'aidera à mener à bien ta quête vers ma libération. Mais j'ai déjà ça. Absorber sa puissance permet de débloquer de nouveaux pouvoirs et de nouvelles armes. Les adeptes de niveau supérieur ont plus de valeur lorsqu'ils sont sacrifiés. Punaise ! Il y a deux types de rituels sacrificiels en fait. Il y a ceux qui apportent de la foi et ceux qui apportent de la puissance. D'accord. Oh merci ! J'ai un bonus de Twitch, merci beaucoup ! Merci Morfufu d'avoir donné full truc, merci beaucoup. De la bouffe ! Bien, j'en ai combien? Oh, beaucoup. Je vais vous faire un festin, les petits loups. Oh, j'en ai raté un. Oh, zut. Qui tu es déjà tout ce que je possédais, je souhaite maintenant vous offrir ma vie. Je souhaite me sacrifier en votre nom. Oh, d'accord. J'avais un peu la flemme de choisir. Quoi ? S'il vient de se foutre de rire. Allez. Je pense qu'il faut que je fasse un petit plat ou deux. Ah, mais pas tout de suite, attendez. Ma vue faiblit et mes pauvres os craquent, mais mon cœur est en joie car j'ai passé ma vie à votre service, ô vénérable agneau. Mais oui, c'est pour ça, c'est parce qu'il vieillit, c'est pour ça qu'on l'envoyait avec des cernes. Oh, il est tout vieux. Hanté et malade. Oui, oui, désolé. Hein ? Oui, désolé, je nettoie. Non mais arrêtez d'aller voir le caca. Pourquoi vous avez tous fait caca là aussi d'habitude? Vous faites mieux. Bah oui mais désolé mais bon. Non mais alors. C'est ça que je vais faire depuis 5 minutes. Oh, ça me demande du bois à chaque fois. Merci Naitou. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Merci, bienvenue. Bon, enfin, on est d'accord que lui, le grisillon, il fait un peu genre, là. Mais c'est lui qui a essayé de foutre là, le bordel, quoi. De faire se soulever tout le monde. Ça fait bizarre de dire ça, de créer un putsch. Merci pour le totem. J'ai envie de dégueuler, je sais pas pourquoi. Vous avez vu mon beau caca? Je vais refaire un petit peu de bouffe. Voilà. Je pense qu'il n'y en avait pas assez de toute façon. Bien récolter plus rapidement là vous. On va faire des sermons, des trucs comme ça, on a 1000 trucs à faire. Mais
Ça fait une VOD assez longue, du coup je vais couper cette VOD là. Des bisous VOD, on fera le sacrifice juste après.